Tu peux apprécier chacune des journées comme tu l'entends, à ton rythme et à ta façon. De se dire que les gens étaient enfermés dans cette ville sans pouvoir passer d'un côté et de l'autre comme ils voulaient. Il pleut mais c'est pas grave parce que apparemment c'est un temps d'allemand. Náš vlak zastaví u nástupiště číslo 5. O dalších přípojích budete informováni v mobilní aplikaci Můj vlak. Allez, bienvenue à Prague, à Praha. Hello. Ça pourrait être une bonne idée de faire des escalators. Parce que c'est lourd et c'est dur. Here we are. Dobrý den. Bonjour. Hello. Guten Tag. Bienvenue à Prague. Bien, monsieur, s'il vous plaît. La journée est passée super vite. On est arrivé ce matin, on est parti se promener et là on fait une partie de billard pour décompresser et terminer la journée. Bien arrivé à Prague et installé au Mama Shelter, aujourd'hui j'interview Nicolas Fleury qui va être notre guide ici parce que tu connais par cœur, que tu as pris tes premières caisses ici et que tu reviens régulièrement, n'est-ce pas? Eh oui, c'est ma ville de cœur, la ville de la bière, la ville de tous les excès ici. Bienvenue à Prague. Ça va pas le faire, hein. Si c'est tous les excès, non. Alors raconte-nous des trucs. Raconte-nous des trucs. Hein? Raconte-nous pourquoi Jennifer Lopez qui est là. Qu'est-ce qu'elle fait, Jenny? Bah pause. Jenny? Oui. Où va-t-on là? On va aller sur la plaza. Vamos à la pizzeria. La plaza. De la plaza. Comment on dit vamos? Jovisnek. Hey, cool. Hey, suivez-moi. On continue notre périple. Aujourd'hui, il s'agit d'essayer encore de faire 10 km parce que c'est quand même mon objectif. Faire 10 km par jour, c'est mon objectif. Alors, 10 au moins. Ah non, bah hier on en a fait 17, mais peu importe. Alors, aujourd'hui nous sommes à Prague et apparemment c'est une petite ville où on peut voir tout. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus simple de se déplacer ici à pied qu'à Berlin par exemple, où il vaut mieux avoir un vélo ou une carte de transport. T'achètes ta carte à Berlin comme tu achètes ta carte à Prague et après tu vas la composter une fois et après elle va être valide le temps qu'il y a écrit sur ta carte. Donc c'est pas compliqué. Allez, valou. Mouah. La journée est passée super vite. On est arrivé ce matin, ensuite on est parti directement se promener pour terminer la journée. Oh putain. Même quand tu tapes pas qu'il y en a aucune qui rentre. Combo. Il y a toujours plus, ça vive lui. C'est mieux. On dirait que je suis en état d'arrestation. Comme ça. Ouais, là ça m'aime bien Valère. Comme ça, c'est bien. Mmh. On va faire 100. Alors, monsieur Fleury, comment se sont passées ces parties? Très bien, ça a été intéressant, j'ai appris. Un commentaire? Aucun. J'ai gagné! et là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire quoi? Oui, tu vas pas pleurer si je gagne. Oui, non, parce que moi, je suis là pour gagner. Aujourd'hui en direct de Prague, habillé avec notre parka anti-eau parce qu'il fait pas beau et notre plus beau sourire, nous allons visiter Prague à l'aide d'une carte, d'une vraie carte. Et là on attend les transports, soit la 6 soit la 17 et puis après, après on va continuer à pied. Voilà. Tout ce que je te dis en tchèque. Nous sommes actuellement dans la Pétrin Tour. Pétrin, dans le Pétrin. Et donc pour monter, il faut des escaliers. Alors. Waouh! Waouh! Vue 360 de cette belle ville. Le centre-ville est par là-bas. Et là-bas, j'imagine que c'est un peu plus les. Cette petite ville alentour quoi. Ça s'appelle le parc de Pétrin, c'est donc un parc rempli de verdure et de belles créatures comme vous le voyez. Sur les bordures de Prague, et franchement c'est magnifique, il y a des petits cerisiers en fleurs un peu partout, c'est très très joli.
On a une belle vue sur le château. 181 marches au-dessus du premier étage plus tard. Combien de mètres ça, 181 marches? J'en sais rien. C'est quoi, 20 cm les marches? Pourquoi tu me demandes ça? 20 cm? Laisse-moi tranquille. 180 divisé par 5, ça fait quand même 40 mètres. Seulement? Moi je pense que plus. C'est dur. Et on était là. Touk touk touk. Et après on a marché. Et maintenant, on est là. On va au château de Prague. Let's go, baby. On sait pas où est le château, mais on avance. Donc, tu ne sais pas. Donc, nous le savons. Mais on y va. Et apparemment, le château, il est là. Donc, là. Alors, je vais faire un tour. Et apparemment... Ah, il a mon pantalon. Il a mon pantalon, j'ai dit. Vas-y, ramène mon pantalon, c'est bon. L'anecdote du pantalon. Ben, en soi, c'est pas une histoire waouh waouh. C'est juste que le matin, il faisait un peu frais, alors je mettais un pantalon parce que je pouvais pas sortir en petite robe. Et qu'au cours de la journée, le temps s'est adouci. Du coup, je le portais plus sur mes jambes, je le portais au bras. À un moment, Nico a dit qu'il devait rentrer pour aller faire du vélo avec un copain, donc il devait rentrer à l'hôtel. J'ai dit, bah, ramène mon pantalon. Et plutôt que de le mettre sur le bras, bah, il l'a mis sur les épaules. Voilà! Je crois qu'il s'est trompé d'endroit parce que là, ça a l'air d'être l'entrée pour le château. Et là, il est en train de se dire « Oh, j'aurais pas dû aller par là !»« Oh non, c'était pas le bon nom !» Mais non, parce que l'entrée, c'est pas par là. Là, mais Greg, c'est la sortie. C'est pas grave. Ah bah viens, on va par là-bas alors. Ouais, on va par là où je voulais aller, je suis trop contente. Il y a les belles ton écharpe, dis donc. Ouais, t'as vu ? Ça, c'est Jacques Mus qui a fait ça. Ah ouais, ouais c'est pas encore sorti hein, parce qu'il m'a demandé de garder ça secret. Tu t'en dis quoi? Bah écoute, je pense qu'on va le présenter à la prochaine Fashion Week. Ça doit être trop bien. Ça me paraît plausible, ouais. Ça doit trop bien, j'adore. Ouais, je suis assez fan aussi, de couleur, le bleu. Je viens de me poser une heure sur une magnifique terrasse. C'est un Starbucks. Pour travailler sur un montage vidéo parce que pour ce voyage à Prague, j'ai une collab trop bien. Je gagne des sous en voyageant. Eh. Ça veut dire que je travaille. Bon, il faut bien que ça arrive des fois, c'est bon, on se râle pas. Mais juste pour dire que quand on voyage, c'est pas juste du voyage. C'est pas juste du plaisir. D'ailleurs, tout ce que vous voyez là, c'est aussi du travail quelque part. Même si c'est vrai qu'on dirait pas. Petite parenthèse, pour dire quoi, tu vois. Est-ce que je t'ai déjà dit qu'une de mes passions dans la vie c'était de me perdre, d'essayer de me retrouver sur une carte? Et bah là, c'est où je suis. Genre... En fait, je pensais que j'étais sur ce pont-là, mais ce pont-là, il est là. Et je vais y aller après, bien sûr, mais ça veut dire que moi, je suis là. Et après, on rentre à la maison, là. Dick Praha. Tu vois, là, Nico, il est pas là. Alors j'en profite pour t'apprendre une petite leçon de la vie. Tu peux apprécier chacune des journées comme tu l'entends. Attends-le. Et à ta façon. Alors... Time to go. Ok Nico, t'es prêt? On a le temps de trajet pour faire le top et flop de Prague. Vas-y. Top, l'architecture, les gens gentils, la belle ville, c'est agréable, les transports en commun fonctionnent bien. Flop. Franchement, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a? Non, moi j'en ai pas. Ok, moi, top. La ville est super belle, il y a pas mal de choses à faire, beaucoup d'histoires, l'architecture est magnifique, c'est pas cher. Et pas de flop. Bravo. Bienvenue à la gare de Prague, Praha, Alveni, où on a eu une petite frayeur ce matin parce que notre train pour le départ prochain est à la voie 4S, sauf qu'on ne savait pas c'est quoi le S. Mais en fait, il faut juste venir à 4. Ça va. Il bout, tu fais la gueule. C'est la technique pour dragouiller. C'est moche? C'est moche. Alors, comment c'est quoi? C'est bien. C'est excellent même. Magnifique. Un commentaire sur la qualité des trains dans les autres pays.
agréablement surpris, franchement. On a le pass Interrail en première classe, donc on fait que des premières classes dans les trains. Et j'aurais tendance à dire que la première classe à l'étranger est quand même un peu plus spacieuse que la première classe de notre chère SNCF. C'est pas pour faire le français qui se plaint toujours, hein, mais faut dire ce qui est. On est très bien logés, très très bien. Comme à la maison. Un mot ? Cake. T'es pas parti chercher moi. Et c'est sur ce mot que nous allons terminer notre vidéo sur Fag. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, ça nous a fait plaisir de vous partager nos aventures. Et on vous fait des gros bisous bien cakés de Prague. Fais un bisou. Bonjour et bienvenue à Vienne en Autriche où aujourd'hui nous sommes chez Joe and Joe pour partager avec vous une aventure extraordinaire dans une auberge de jeunesse. Les gens sont gentils, ils nous accueillent avec un sourire, c'est comme si on était à Tahiti.